la parole de Dieu. Le terme de cette retraite. The theme of this. Tu connais le terme, hein? Alléluia. Hier, nous avons prêché un thème très important. C'est un thème d'évangélisation. Avant qu'on attaque le Goliath, il faudrait les rassurer qu'on est enfant de Dieu. Parce qu'en temps normal, le Goliath, c'est pas le Goliath qu'on connaissait, le Philistin. Mais le Goliath, c'est l'esprit, c'est notre ennemi. Pour que tu puisses faire tomber l'ennemi qui est ton Goliath, il faut que toi-même tu sois enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, Jean le chapitre 1, le verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur. On dit Amen. Et hier, je crois, ceux qui n'avaient pas encore reçu Jésus l'ont reçu. Amen. Et nous allons aborder le thème. Nous prenons la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 1 à 16. Chapitre 17, verset 1 à 16. 1 Samuel 17, le verset 1 à 16. Cette période-là, les gens, pendant qu'on lit la parole, les gens aiment dormir, ne dormez pas. Amen. Les gens sont distraits, ne soyez pas distraits. Parce que la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Il faut qu'on vous enseigne la parole de Dieu. Quels sont ceux qui ont la Bible? Qui a envoyé sa Bible ce soir? En temps normal, un vrai chrétien doit venir à une rencontre, une retraite spirituelle avec une Bible. C'est important. Normally, a real Christian must come with a Bible. Montrez les Bibles, s'il vous plaît. Show me the Bibles. Je sais que la Bible est vraie. Alléluia. Amen. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que, j'ai capté, il n'y a pas de Bible. Les Bibles sont petites, 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 petites. La parole du Seigneur, je la serre dans mon cœur. Chaque parole de la Bible est vraie. Chaque chapitre, chaque quelqu'un Dieu est merveilleux. J'ai quelqu'un Dieu, il est merveilleux. Nous allons écouter la parole de Dieu. Allez, va. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1. 1 Samuel 17, verset 1 à 16. Disons la parole de Dieu. Les Philistins se réunirent. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azeka à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi.
Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Alléluia! Est-ce que tu l'avais bien saisi? Il est caché. Dis quelqu'un si tu as bien saisi. Les deux camps s'approchent, n'est-ce pas? Le camp des Philistins, n'est-ce pas? Et le camp des Hébreux. Et la Bible mentionne ici un homme sortit et se mettait entre les deux camps. Son nom est Goliath. The name, his name was Goliath. Se nomma Goliath. On y va. A champion named Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Si vous avez la coudée, was 6 cubits. Ça veut dire 6 mètres, 6 coudées. Whose heart was 6 cubits. Sur sa tête était un casque d'airain. He held a helmet. Un casque d'airain. L'airain, c'est cette matière-là, puissante. L'airain, c'est fort, c'est puissant, c'est dur. L'airain. Casque, ça veut dire qu'on ne pouvait pas le toucher à sa tête. Who couldn't touch his head. Il avait eu aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Tout était en airain, en airain plutôt. Tout était en airain. Sa protection était protégée. Le bois de sa lance était comme un sou de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. 600 cycles. De fer, ça fait 606 kilos. Hein. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il y avait un cœur qui portait son bouclier. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Amen. Est-ce qu'on a parlé du Seigneur? Le parchemin est fait une très belle lecture. Amen. Le thème, c'est il faut que. Mon Goliath tombe. May Goliath be down. Vous allez voir dans le thème, dans la lecture tout à l'heure. The reading here, la Bible dit qu'il y avait une guerre qui a été déclarée entre les Philistins et les Juifs et les Hébreux. And the Hebrews, the Jews. Les Philistins sont les ennemis jurés d'Israël. Frère, brother, c'est pas un petit peuple, c'est un peuple ennemi. It's not small population. Donc ils ont décidé de faire la guerre. They have decided to make the battle. Pendant que Saül est encore roi sur le peuple d'Israël. King, Israel king. À la grande surprise d'Israël, un certain nommé Goliath qui est philistin, bien sûr, qui se porte garant pour dire, je viens défendre mon peuple. I guess, come to defend my people. Mais s'il y a un plus puissant que vous, mettez-le là, nous allons faire la guerre. We can put him celui qui gagne, we can make the fight. Notre peuple obligé de se soumettre. Si celui qu'Israël envoie if et qu'il ne met pas, Israel, okay, les Philistins se soumettent à Israël. Amen. They'll submit, they'll be submitted. Et si moi je pars, celui que vous avez envoyé, Israël obligé de se soumettre. N'est-ce pas? Aux Philistins. Quand vous écoutez cette parole, nous sommes d'accord que Goliath tombe. Quand nous écoutons cette parole, nous sommes d'accord que Goliath tombe. Pourquoi? Parce que Goliath venait là de lancer un défi. Il n'y a pas un peuple plus puissant qu'Israël. There is no more Israël, people than Israël, c'est le peuple de Dieu. Comme tu es frère, tu es le peuple de Dieu, tu es enfant de Dieu. God, yeah. God.
1 Jean 3, le verset, Jean chapitre 1, le verset 12, tu as choisi Dieu. Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Voici un individu de nom de Goliath qui vient dire. We just come to say, moi, Goliath, Goliath, je n'ai pas de garant pour vous détruire. Behave as a grand. Je suis convaincu que je ne trouverai pas quelqu'un parmi vous pour l'écraser. Parce qu'il était puissant. Because he was powerful. Il avait une taille de 6 mètres. He was very big. Et c'est tout ce qu'il utilisait pour sa protection, c'était les reins. For his protection. Donc il était convaincu. Qu'une épée ne pouvait pas le percer. Reach. Une pierre ne pouvait pas le toucher. Stones cannot touch. Tout sur lui était protégé. Was protected. Et il y avait quelqu'un qui avait un bouclier. Someone has a solution to fight him. Amen. Amen. Il dit si vous voulez, faites-moi sortir quelqu'un. Mais d'ailleurs. Celui qui va gagner, celui qui entrera en possession de toutes les grâces. Will possess all the graces. Le Goliath de ta vie. Ce Goliath là, il est aussi représenté dans ta vie. He is also in your life. C'est celui qui est venu te barrer le chemin. He's the one who just come to stop your way. Il dit, tu ne bouges pas so that you cannot move. Tant que tu ne m'as pas tué. C'est ça en réalité Goliath. That's Goliath disait là, Goliath avant de bouger, il faut que vous me tombez. Il faut que quelqu'un tombe. Ou vous et moi. C'est pour ça qu'il faut que Goliath tombe. Le Goliath qui est. C'est vrai que c'est une histoire. Amen. Mais les histoires dans ta vie. Il y a un Goliath dans ta vie. C'est celui qui s'oppose à ta destinée. Goliath, that makes your enemy. Celui qui débat le chemin et qui dit qu'il est plus fort. Qu'est-ce que tu trouves plus fort que lui? Il faut que celui-là plus le fait tomber. Sinon, lui viendra te faire tomber. C'est ça le défi qui a lancé les sorciers à ta vie. C'est cela que Goliath, là, il faut qu'il tombe. Le Goliath de ta vie, c'est le sorcier. Is the sorcerer. Amen. Amen. Oh, le sorcier, c'est celui qui met frein, qui met barrière. Like, nous empêche d'entrer dans notre destinée. Il dit, trouvez-moi quelqu'un. Je n'ai pas fait des noms. Non, on va sortir et chaque armée, non. Moi, je ne porte pas. Celui qui me tue. Ok, vous avez le dessus sur Israël. Si moi, je vous tue, les Philistins prennent toutes les richesses. J'ai un défi qui est lancé à ta vie. Le sorcier dit, oh, le Goliath qui est représenté dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas ce géant-là. C'est le géant spirituel qu'on appelle le sorcier qui t'empêche de te marier. Spiritual giant called sorcerer who prevents you to get married. Amen. Amen. Ce géant là t'a donné une maladie. Has given et ce géant là personne ne pourra te guérir. And nobody can heal you. Personne. Nobody. Il est là, il dit personne. Nobody. S'il y a quelqu'un qui lève le doigt, very small, who raises c'est ce que la sorcellerie dit. S'il y a quelqu'un pour te guérir, qu'il lève ton doigt. Someone to heal you, he can raise his hand up. Ils t'ont bloqué le mariage. They have stopped your wedding. Il s'est mis entre les deux camps. Il dit c'est moi. He was between the two camps. A fait des palabres là, c'est moi-même là. Laissez à faire des dons, on va faire, on va fatiguer. Moi-même les jours moins. Donc voilà, celui qui me tue, voilà. The one who kills me. La maladie représente comme le Goliath dans ta vie. Is the Goliath of your life. Et cette maladie dit, that sickness, s'il y a quelqu'un plus puissant, there is someone who is qui est la personne de Théas. S'il y a quelqu'un, c'est mal connaître la puissance de Dieu. S'il y a quelqu'un, alléluia. Donc voici Goliath. The power of God. Voici Goliath. C'est celui qui t'a lancé des filles. On dit, je t'envoie cette maladie-là, tu ne guériras plus de cette maladie. No personne ne pourra te guérir. Nobody can heal you. Tu ne pourras pas te marier. You cannot get married. Tu ne pourras pas voyager. You cannot travel. Tant que moi, on ne me terrasse pas. If I'm not down, toi, tu ne pourras pas te marier. You'll never get married. Voici le défi qui t'est lancé ce soir.
carries. Et plus longtemps. Effectivement, rien ne bouge. Nothing. Tout est statique. Tout est bloqué. Parce que le Goliath est là. Because il attend que quelqu'un lui fasse tomber. C'est pour cela que Goliath, il faut qu'il tombe. Dis amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'il tombe. That's part of that, pastor. Parce qu'il dit, Goliath dit là, dans la parole ici. No, in the word here. Il dit, si c'est vous qui me faisiez tomber, if ok. You make me fall down, Israël prend le dessus sur les Philippiens. Would help, would be under the Philistines. C'est un défi. Amen. Goliath dit, tant qu'il ne tombe pas, if it does, il n'y a pas de guérison. Tant qu'il ne tombe pas, no, il n'y a pas de délivrance. No, c'est pour ça qu'il faut que Goliath tombe. That's why must fall down. C'est un défi. It is a challenge. On le réveille le géant. It's very giant. C'est comme la maladie dont tu souffres. Tu as l'impression que, est-ce que tu vois un jour guérir? Est-ce que ça te dépasse? La médecine ne peut pas maîtriser la maladie dont tu souffres. C'est comme un géant. Tu le regardes. The sickness that you're living. On a l'impression que c'est plus un être humain. C'est comme ta maladie, tu constates que c'est pas naturel. You notice that your sickness is not natural. La situation que tu vis, c'est comme un Goliath. Tu as l'impression que c'est plus naturel. It's like it's not no more natural. Mais ça ne peut pas avancer. Il est là. But you cannot go. Il attend que quelqu'un vienne le pousser. To come. Amen. Amen. Mais en même temps, il est convaincu. But there is nobody. C'est pas un défi. Is that a challenge? Mais lui se présente à toi pour te tuer. That is. Parce qu'il veut tout prendre. You, because you like to take everything. Mani? Mani? Ça va? Ça va? Je tournais. Il t'a porté habit de sorcellerie. I gave you witchcraft. Regarde-moi droit dans les yeux. Je suis le prophète Crasso. I'm the prophet. J'ai un don. Crasso, I have an ambition. Pour détecter les choses. C'est-à-dire, si quelqu'un if someone n'a pas mon don là, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas bien clair, il peut voir la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qu'on a porté habit, on les prend comme les sorciers. Sinon, en temps normal, tu ne pratiques pas la sorcellerie. Mais comment je parle, madame? Voilà. Mais on t'utilise pour aller faire la sorcellerie. Ce qui fait que quand tu vois, on te dit que tu es sorcier. We consider you as a witch. Il faut qu'on prie pour toi. We must pray for you. Tu as compris? Si c'est pas bon, ça salue ton âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Goliath là, toi-même tu le sens dans ta vie. You feel it. In your life. Il t'a lancé un défi. Il sait que tu n'as pas été marié. Il lui dit. Il y a des gens qui le disent ouvertement. Il y a des gens qui disent tant que je vivrai sur cette terre, toi tu ne te marieras jamais. Il y a des gens qui disent tant que je vivrai sur cette terre, tu ne vas jamais voyager. Ils sont là. Ils disent ça. Or, la meilleure manière de régler le problème, c'est de faire parler. C'est pas. Non, Seigneur, pardonne-le. Il faut qu'il. Vous-même n'êtes pas prêt. Vous êtes trop. Noin. Il faut que. Il faut qu'il tombe. Vous comprenez? Amen. C'est un défi. Because it's a challenge. Pendant que les deux armées se discutent, vous dites on va voir. Lui dit non, arrêtez vos histoires, arrêtez. Allez, arrêtez. Moi-même, là, je suis Goliath. I'm Goliath. Et quand tu le regardes, tu dis oh. Et quand Israël a vu, when Israel people saw him, qui est malade pour aller se faire tuer? We can face that person, that man. Amen. Amen. C'est ce que j'ai développé demain. That's what I'm calling. Aujourd'hui, je vous présente qui est Goliath. Tomorrow. Pour pouvoir le terrasser, il faut savoir qui il est réellement. Voici l'histoire de Goliath. C'est un Philistin.
putting down ennemi à Dieu et à Israël. People, il y avait la guerre enemy people, et lui est venu se mettre au milieu, gaillard qu'il était, mais en même temps il disait que lui seul suffisait pour maîtriser toute l'armée d'Israël. Or Israël, c'est le peuple de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, comme tu es aujourd'hui. Tu es devenu enfant de Dieu. Parce que tu as accepté Jésus-Christ. Et lui, il déclare que bien que tu aies accepté Jésus, bien que tu sois le peuple de Dieu, mais tu ne rentreras pas dans d'autres bénédictions. Hein? Mais oui. Yes. Il faut qu'il tombe. Amen. Fais, il faut qu'il tombe. Amen. Toi, tu vas me tuer. You're gonna kill me. Je vais pas aller voyager pour aller manger les pizzas. I'm not trouble when go. Les pizzas d'Italie. Of Italia. Ouais, les trucs comme ça. Hein? Les tiquiti à Paris. Chacun est pour lui. J'ai dit au gars du restaurant, je veux la sauce tikliti du riz avec du lait. Il dit pardon. J'ai répété, il dit non, ils n'ont pas fait ça. Il ne connaît pas. Les blancs, ils n'ont pas dit qu'ils ne connaissent pas. Il dit ça n'est pas là. Il dit non. Amen. Amen. Donc le Goliath, c'est celui qui est géant. So the Goliath is the one who is giant. Qui met même fin à ta vie. Or, Dieu t'a promis la longévité. Lui dit non, tu ne resteras pas longtemps sur cette terre parce qu'il veut te manger. Le Goliath dit, tu ne te marieras pas tant que lui sera encore vivant. C'est un défi. Le Goliath. En un mot, c'est celui qui ne veut pas te faire avancer. Il dit, tant que lui vivra sur cette terre, toi, tu es mort. C'est ce qu'il a dit à Israël. Toi, tant qu'il vivra sur cette terre, tu es mort. You're dead. Il y a des gens comme ça. Tu te lances un défi. Ils sont là. Tu fais tout, mais ils sont là. Ils te combattent. They are still present. They are fighting you. J'ai des gens qui veulent te marier, mais ils gâtent le mariage. Other people like to get married with you, but they destroy everything. Et vous regardez. Nous allons inviter quelqu'un de plus important. Amen. C'est là qu'il va sortir subtilement David, le petit David. Small David. Alléluia. C'est là qu'il va sortir le petit David. Oh David, Jésus dit, la parole de Dieu nous déclare que Jésus est le fils de David. Jesus is the son of David. Fils de David. Son of David. C'est ce qui va dire, le fils de David, sauve-moi. Donc Jésus, David, c'est l'image de Jésus. Il venait donner à manger à ses frères soldats qui étaient au front. Voici les deux camps. Chacun regarde. L'histoire où Goliath est sorti des dents là. Ah! Nous étions prêts, mais. L'histoire où ce monsieur est sorti des dents maintenant là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Chacun était prêt à tirer. Un gars qui dit non, stop, stop, stop. Arrêtez à faire des guerres. Yes. Moi seul, je maîtrise la situation. I master the situation. Oui, si, c'est ce qu'on dit. Yeah. Arrêtez. That's what he said. Stop. Un jour, deux jours, trois jours, personne, il ne voit personne. Donc il a commencé à menacer. Lisez l'histoire. Il a commencé à insulter. He started in charge. Pour les provoquer. To provoke them. Chacun dit, tu peux partir. Lui là, c'est quelqu'un, c'est un monstre. He's a monster. C'est ça le petit David venait. And the small David was coming. Il a entendu insulter. L'avenue de Dieu. That's the army of God was in Dieu. C'est ce que nous allons voir demain. This is what we're going to see tomorrow. Quelque chose s'est passé dans son cœur. In his heart. Quelque chose s'est passé dans le cœur de David. In his heart. Il a osé
s'opposer à la volonté de Dieu. Il a osé s'opposer à la destinée d'Israël. Le seul problème aujourd'hui qui fait que Dieu sera avec toi, c'est que le diable, le Goliath de ta vie, a osé s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu aimerait que tu te maries. Dieu aimerait que tu voyages. Dieu aimerait que tu aies l'argent. Mais lui, il se pose à cette volonté. Amen. Alléluia. Amen. Il se pose à cette volonté. Nous allons inviter le fils de David. Nous savons que dans l'histoire, c'est David qui a tué Goliath, n'est-ce pas? Nous avons encore ce David. Dis amen! Nous avons encore ce David, puissant David, le fils de David. Nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Au moment où tout le monde cherchait pour savoir qui allait brûler, David s'est porté 40. Il dit, c'est moi qui va la frotter. Oui. Yes. Parce qu'il faut qu'il respecte le nom d'Israël. Il faut qu'il respecte le Dieu d'Israël. Il faut que le diable vous respecte. Il faut qu'il vous respecte parce que vous n'êtes plus n'importe qui. Il faut que la sorcellerie vous respecte. Il faut qu'il vous respecte. C'est là que nous allons nous affronter. Nous allons affronter la sorcellerie. Et nous allons les faire tomber dans le nom de Jésus-Christ. On se tient tous debout. Si tu connais le Goliath de ta vie, quelqu'un qui t'a une fois dit que tu ne vas jamais réussir dans ta vie, quelqu'un qui t'a une fois dit que tu ne vas jamais te marier, quelqu'un qui t'a une fois dit que ce n'a rien pas chez toi, si tu ne sais pas chez toi, il faut que je meure. Si tu connais quelqu'un qui t'a une fois lancé de vie, présente-le devant Dieu ce soir. Présente-le devant Dieu ce soir. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Oh là 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 là. Je veux voir tout le monde parler ce soir. Je veux voir tout le monde parler ce soir. Je veux voir tout le monde parler ce soir. Nous parlons ce soir. Et donnons une parole à Dieu ce soir. Nous donnons une parole à Dieu ce soir. Donnons une parole à Dieu ce soir. Oh là là chaka baba baba baba. Oh là là baba baba baba. Oui, on a chaka baba baba. Et d'abord, ils ont des chaises, ils ont des plaies, on des plaies, on a baba, on a rien de chaises. Tous ceux qui ont bien de ma vie, qui veulent me nuire, qui veulent me détruire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, qui prennent ma place dans le nom de Jésus, ceux qui avaient la ma mort, ceux qui avaient la ma vie, ceux qui appellent à ma vie, qui prennent ma place, au nom de Jésus. Ceux qui veulent me nuire, qui prennent ma place. Ceux qui veulent détruire mon ministère. Ceux qui veulent détruire mon ministère. Ceux qui veulent détruire ma destinée, qui prennent ma place. Seigneur, nous te présentons. Je te présente tous les ennemis de ma vie. Je te présente tous les ennemis de ma vie. Je te prie, Seigneur notre Dieu. Oui, tu m'as donné une destinée. Tu m'as donné une destinée. Oui, tu m'as donné une destinée glorieuse. J'ai cru en toi. Ne donne pas raison à mes ennemis. 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 Oh là 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 là. Nous prions. Oui, dis à Dieu de ne pas donner raison à tes ennemis. Tu ne donnes pas raison à la maladie. Tu ne donnes pas raison à tes ennemis. La puissance de Dieu. 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 Prie, 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 prie. Celui qui se pose à tes études, à ton commerce, à ta santé. Oui, c'est Goliath. C'est Goliath. C'est Goliath. Pendant que nous prions. Amen. Pendant que nous prions. Pendant que nous prions. Oui.
La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu se présente. Pendant que vous suivez cette vidéo. Pendant que vous suivez cette vidéo. La puissance de Dieu en action. Vous touchez. Vous touchez. Vous touchez. Recevez, 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 recevez. Une force va tomber sur vous pour le combat spirituel. Regarde, Dieu va mettre en ta main l'épée. L'épée pour le combat. L'épée dont David s'est saisi pour combattre demain. Regarde l'épée. Regarde l'épée. Regarde, regarde, regarde. L'épée, l'épée. L'épée, 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 l'épée pour le combat. Regarde, une onction, une onction, une onction, une onction, une onction. Quelque chose se passe. Regarde, 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 regarde. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Regarde les pieds de Dieu. Regarde le plein de Dieu. Regarde. Oh. Regarde. 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 Quelque chose se passe. Amen. Quelque chose. Regarde, quelque chose se passe. Regarde, quelque chose se passe. Regarde. L'onction. 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 Regarde. Oh. Oh. Une onction déployée ce soir. Une onction de Dieu est déployée ce soir. Quelque chose en train de se passer pour libérer ta vie. Quelque chose en train de se passer. Reçois l'épée de Dieu. Reçois l'épée pour le combat. Pour le combat. Pour le combat. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'il tombe, ce Goliath. Il faut qu'il tombe. Pour ce trône. Il faut qu'il tombe. Reçois. Reçois. Il n'a qu'à bouger. Quel fil là, il bouge. Bouge. La puissance de Dieu. Reçois 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 la puissance de Dieu. Recevez. Recevez. Recevez la puissance de Dieu. Quelque chose se passe. Oh là 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 là. Oh! Regarde! La main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. Oui, la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Levez la main, levez la main, levez la main. Levez la main. Dieu. Dieu. Viens ton secours. Oui. Pour te donner la victoire sur ton Goliath. Sur ton Goliath. Reçois. Oui, reçois. Ton épée. Reçois l'arme spirituelle pour le combat. Recevez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Les choses sont en train de tomber. Les choses sont en train de tomber de ta vie. Les choses sont en train de tomber de ta vie. De ta vie. De ta vie. Reçois. Ta délivrance. Maintenant. Seigneur, je n'ai mis d'autre que toi, mes yeux. Sans sur toi, Seigneur, je n'ai eu d'autre que toi, mes yeux, sans sur toi, mes yeux, mes yeux. Yeah.
Ce soir. Je parle à la maladie ce soir. Je m'adresse à la maladie dans ton corps ce soir. Que la maladie libère ton corps ce soir. Je foudroie cette maladie dans le nom de Jésus. Je foudroie la maladie. Je foudroie la maladie. Je foudroie la maladie. Colère à la maladie. Colère. Recevez la guérison. Reçois la délivrance. Reçois. Tu es malade. Reçois ta guérison. Tu es malade. Reçois. On t'a fait manger des choses. Tu vomis maintenant. Tout ce qui est dans mon ventre. Sors. Je libère ton ventre. Je libère mes ventres. Mettez-le en l'air. Recevez. La délivrance. Recevez. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Je vis tous les malades devant ici. Tous les malades devant. Tous les malades, enfin, mort. Jésus-Christ va vous toucher ce soir. Jésus-Christ va vous guérir ce soir. Jésus va vous guérir ce soir. Jésus va vous guérir ce soir. Jésus va vous guérir ce soir. Au Seigneur, la puissance de Dieu sur vous. Receive la puissance par le Dieu. Hand of God, the powerful hand of God. La main gauche sur le cœur. The right hand on the heart. Et la main droite sur la tête. Left hand on the heart and the right hand on the head. L'heure de ta guérison a sonné. The time of your healing has come. Une onction de guérison te saisit. L'onction te saisit. L'onction te saisit. Anointing is coming to you. Come on! I come in! Come on! I
Leur chant te guérit. Anointing is healing. Leur chant te guérit. Anointing is healing. Guéri. L'esprit te guérit. 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 Thank you.
Jésus. Amen. Restons près de la main Jésus-Christ.